Alors, on y va, on va voir ce que c'est ensemble que les custom hooks, donc les hooks personnalisés avec React. Donc, on connaît déjà useState, useEffect, useMemo, use, tout ce que vous voulez. Mais en fait, on peut créer nos propres hooks. En fait, c'est assez simple, vous allez voir, c'est juste des fonctions. Donc, dès qu'on a de la logique qui se répète, eh bien, on va pouvoir se créer nos hooks euh, customisés comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ça sur le côté déjà. Tac, ça, je vais l'agrandir. Hop, hop. Tac, tac. Et donc on va voir ensemble que ça va être assez simple de faire nos custom hooks. Donc pour l'instant ici, il faut que je relance tout ça. Donc je fais npm run start directement. Et puis ça va me relancer tout ça en arrière-plan. Le but ici, ça va être de faire un appel à une API qui permet de retourner des images de chats comme ça. Très bien. Donc on imagine qu'on a un site qui affiche des images de chats. Et donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait de base Eh bien normalement, on fait import user state et useEffect. effect. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer en fait comment on va extraire la logique d'un composant de base. Donc, on va imaginer que ces photos de chat, on a envie de les montrer sur plusieurs pages. Donc, c'est quelque chose de redondant qui arrive souvent. Donc, on va avoir envie de le mettre de côté sur un hook personnalisé pour juste avoir la valeur qu'on veut à chaque fois, c'est-à-dire un URL d'une image de chat, et non plus répéter à chaque fois, répéter le même code. Donc, ici, normalement, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait D'abord, on fait const. Et donc, on va utiliser ici response et set response par exemple est égal use state comme ça tac directement et on peut mettre null juste ici. Ensuite pour faire un appel à une API, on va utiliser use effect juste ici. Alors, on va pas mettre euh, de cleanup ici, on va faire quelque chose d'assez simple, on va l'appeler juste une fois lorsque le composant va se monter donc euh, à la base et donc ce qui va et ce qui va y avoir à l'intérieur ici c'est une méthode fetch où on va utiliser l'URL qui va chercher euh, les chats donc on fait hop ici Fetch euh, directement, puis ensuite .zen, alors on va récupérer la réponse, on va la transformer en JSON en faisant response.json comme ça, nickel. Et ensuite on fait .zen, et puis là on peut l'appeler par exemple data, et puis on peut se loguer euh, data. Ok, parfait, donc une fois qu'on a ça, ça va se lancer automatiquement quand le composant se lance de base, donc normalement si j'ouvre la console ici, alors elle est à côté euh, hop, hop, on va dans la console, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai ici J'ai un tableau, très bien, parfait. Et donc j'ai bien notre retour, j'ai nos données ici, et euh, j'ai bien donc la taille de l'image, l'ID et le fameux URL ici, c'est ça qui importe. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant Eh bien on va devoir le mettre dans notre state ici, et donc on fait set response de quoi du coup De data de 0, oups, data de 0 de URL. Donc on rentre dans le tableau et on prend l'URL juste ici. Ok, parfait, très bien. Et donc une fois qu'on a tout ça, eh bien, on aurait pu venir ici et faire un euh, response et, et... Et là on envoie une image. Dans cette image on mettra l'URL. Hop, hop. Alors on met pas, on met pas de halt, on met juste image. Ok, donc à chaque fois ici que j'actualise, je vais avoir une nouvelle image de chat qui va être fetch directement. Je récupère les données, je transforme en JSON, etc. Et là, j'ai fait un short circuit operator, c'est-à-dire que ce n'est pas un, une opération ternaire, c'est juste est-ce que response est true, donc est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur finalement. Si oui, alors hop, on envoie image avec en URL. Euh, notre réponse comme ça, d'accord Qui est juste un texte URL hein, qu'on reçoit depuis notre API. Donc voilà, très bien. Imaginons que ça, on a envie de le montrer sur plusieurs pages. Voilà, pour x ou y raison, euh, ça peut être un truc plus sérieux que, que des chats. Ça peut être des, des données euh, d'une API qui vont être en rapport avec vous, un ID par exemple, ou euh, des données comme des photos, enfin ce genre de choses. Ok, donc ici, on va se créer un custom hook. Pour ça, ça doit commencer par use comme ça. Use, et moi je l'ai appelé usecatcall.js comme ça. Okay. Ensuite, on va export default, ça va être une simple fonction. Export default ici, use cat call. Ici, comme une fonction, eh bien, on peut lui donner des paramètres, mais ici, on ne va pas lui donner de paramètres. À quoi ça va servir cette fonction Simplement à faire notre appel. Donc, on vient ici et on vient prendre use effect, et puis on peut, on peut se prendre aussi notre state. Voilà, D'accord Donc, hop, hop, très bien. Il va falloir du coup prendre use effect et use state depuis react et vous voyez que j'ai fait juste j'exporte en fait j'exporte juste la logique comme ça et donc j'ai tout ici dans ma fonction use cat call comme ça OK parfait et donc qu'est-ce que je vais return hop ici je vais return euh, ma réponse qui est juste ici tac donc je retourne mon url en fait je retourne mon url donc quand je vais appeler alors j'ai une erreur quelque part fail to compile. Nanana, nanana, response. Ah oui, c'est response que j'ai ici. Donc, on, on va voir juste après. Donc, normalement, voilà, ça fonctionne. Euh, donc, je fais mon appel à mon API et je retourne mon URL, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, comment on fait pour que euh, ça, ça, ça fonctionne En fait, eh bien, on va venir ici. On va import notre use cat call. From, c'est au même niveau, use cat call ici. Parfait. Et donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est. Euh, const euh, new cat est égal use cat call donc on s'en sert comme une valeur qui est retournée depuis notre fonction et donc ici on va mettre euh, hop ctrl ku alors évidemment ça n'a pas fonctionné tac 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 et donc là ici on va mettre euh, est-ce que new cat est true comme ça et si c'est true et eh bien on envoie une image directement voilà comme ça tac alors response is not ah oui et du coup on envoie l'url comme ça donc là, ça va fonctionner, on va avoir des chats ou des gifs de chats d'ailleurs, je ne sais pas trop ce qui se passait ici. Très bien, donc ça, ça fonctionne. Et puis même ce qu'on aurait pu faire, vu que c'est une, une valeur en fait qui nous est retournée ici, c'est une, une valeur directement depuis notre fonction. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement utiliser useCatCall ici, en tant qu'expression. Hop, 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 et hop. Et voilà, normalement ça devrait fonctionner également. Vous voyez qu'à chaque fois en fait, on va juste utiliser euh, l'URL comme ça qui va être fourni à notre image comme ça. Voilà donc comment on exporte de la logique dans un hook personnalisé. Alors vous pouvez faire un dossier en général avec vos différents hooks. Donc là, on a vu qu'on peut faire un appel. Alors, c'est un appel assez ciblé vers une seule API, mais ce qu'on peut faire, c'est un hook de fetch de manière générale. où lorsqu'on va l'utiliser, en fait, il va y avoir cette logique à l'intérieur. Et donc, comme ça, on peut appeler plusieurs API et à chaque fois. Ça va nous retourner quelque chose de différent au lieu d'avoir juste une API de, de chat comme ça. C'était juste pour avoir un retour et pour, euh, pour avoir des, des images comme ça directement. Voilà. Donc, on exporte de la logique. Et j'en avais fait un autre euh, juste ici. J'avais appelé use. Euh, J'avais appelé comment use date day date day comme ça. Oups, .js directement, parfait. Et donc lui, par exemple, il servait tout simplement à retourner la date du jour, euh, le, le, le jour actuel en fait. D'accord Donc quel jour on est. Là nous sommes samedi et donc ça fait const new date. Et ensuite, j'ai appelé ça date right now et donc ça nous donne euh, le, le jour actuel avec new date point to locale string comme ça, etc. Et donc ça nous retourne euh, le, le jour actuel. J'ai fait ça parce qu'en général, euh, quand on joue avec les dates en JS, c'est assez long, c'est assez embêtant. Donc là, ça va, c'est pas trop trop long, mais on peut faire des choses plus, euh, plus poussées. Par exemple, retourner un jour dans un mois, par exemple, pour retourner un jour dans six mois ou voilà, des, des choses un petit peu plus euh, complexes comme ça. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à l'importer euh, dans notre app.js juste ici. Import Use Date Day from... Tac. Use Date Day, comme ça. Parfait. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire ici Par exemple, si on est euh, dimanche ou euh, samedi, on va dire que nous sommes au week-end. Et sinon, on dira que nous sommes un jour de la semaine. Et donc, je l'ai écrit ici, j'ai mis un H1. Et donc j'ai écrit ici Use Date Day, donc l'expression que ça retourne, la, la valeur que ça retourne. Donc ici ça va retourner Saturday, vu qu'on est euh, samedi. Et donc est-ce que c'est Saturday ou Sunday? Si oui, alors j'envoie wow the weekend. Wow, already the weekend, plutôt. <laughs> wow, already the weekend. Et sinon, euh, si ça renvoie euh, lundi, mardi, mercredi, etc., eh bien, j'aurais mis it's week time ici. Voilà. C'est juste un autre petit exemple pour vous montrer qu'en fait, on peut exporter euh, n'importe quelle logique. Et euh, dès qu'on a quelque chose qui se répète comme ça, qui est embêtant à écrire et qu'on répète surtout sur plusieurs composants, et eh bien vous pouvez utiliser des hooks personnalisés, vous pouvez créer comme ça vos propres hooks. Donc je sais qu'il y en a qui sont assez intéressants quand on veut utiliser par exemple des formulaires, pour plus avoir à s'embêter, on met tout ça dans un hook. Quand on a envie de faire des appels API, c'est très intéressant également. Quand on utilise aussi des services tiers, par exemple Firebase propose des hooks personnalisés pour pouvoir euh, se connecter, pour pouvoir manipuler des données, etc. Et c'est très très efficace, c'est assez euh, sympathique comme ça. Voilà, donc pas plus dur que ça, on exporte comme ça notre logique et on utilise des hooks personnalisés. Allez, on se dit à la prochaine, ciao